pilote. Je dois la retrouver. C'est très bien, et puis il y a eu cette tempête. Elle est venue de nulle part. Ce n'est pas de ta faute, Lara. C'est moi qui les ai fait venir, Ross. Hey, on trouvera un moyen. Mayday, mayday. Ici le copilote Jessop de l'avion November 177 Alpha. Allô ? Allô ? Vous m'entendez ? Je me suis blessé en atterrissant, j'ai besoin d'aide. Y a quelqu'un ? Capitaine Jessop, vous m'entendez ? J'ai envoyé un fumigène, répondez. C'est pas vrai, il m'entend pas. Je vais à sa rencontre. Non. Sont signalés par là. Nous devons d'abord aider nos compagnons. Il faut qu'on se regroupe dès qu'ils auront trouvé Sam. Je peux pas le laisser tout seul là-bas. Je dois lui venir en aide. Parfois, il faut faire des sacrifices, Lara. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Je sais. Je connais les sacrifices. Non. Tu connais la mort. Un sacrifice, c'est un choix que tu fais. La mort, c'est elle qui te choisit. Je ne choisirai pas de le laisser mourir, Ross. J'arrive à l'atteindre. Salut Lara. Où est-il passé ? Ross nous a parlé de l'avion. T'en fais pas, il y a forcément un autre moyen de quitter ce rocher. J'espère. Des nouvelles de Sam ? On a suivi sa trace jusqu'à un vieux palais japonais. Ça ne me dit rien qui vaille. Tu sais, elle a peut-être voulu, je sais pas moi, visiter un peu. T'es vraiment nul comme monteur, Alex. Tâchez d'être prudent, d'accord ? Bonne chance. Ces ruines sont antérieures à la période Kufun. Un pèlerinage. Une reine. Himiko. Incroyable. Capitaine Jessop ? Oh mon Dieu ! Tu m'as causé beaucoup de problèmes, mais tu es aussi naïve que prévisible. Tu es là ! Ils sont là ! Ah,
Garde tempête. Ce serait ça ce que je viens de voir. Emiko, la première reine solaire, c'est bien le Yamatai. Et tu es vraiment là. Et tu es vraiment morte. De rituel du feu, un rituel de sacrifice. C'est horrible. Mais pourquoi brûlait-il des femmes comme ça? Un voyage, un pèlerinage vers... Est-ce que c'est bien ce monastère? De l'eau qui coule. Mais pourquoi? Te voilà, reine. Mais non, ce n'est pas de l'eau qui coule, c'est un transfert de pouvoir. C'est un rituel de l'ascension pour désigner la prochaine reine. La voilà! Thank you.
Sam, c'est Lara. Oh mon Dieu, Lara, ça fait du bien de t'entendre. Moi aussi, Sam. Est-ce que les autres sont avec toi? Non, j'ai juste réussi à voler une radio à un garde. Un garde? J'ai été enlevée. Quoi? Où es-tu? Je sais pas, un vieux palais japonais. Ils arrêtent pas de parler d'un rituel de feu. Lara, j'ai vraiment peur. Merde, j'entends quelqu'un, je dois cacher ce truc. Sam? Sam? Un rituel du feu. Comme sur la fresque dans le tombeau. Ross, tu es là? Je me dirige vers le palais. Les autres y sont enfermés aussi. Ok, je te rejoins et on y va ensemble. Oh mon Dieu, c'est bon maintenant. Lara, t'es là? Je suis là, Sam. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'ils me veulent, Lara? Un rituel de feu? C'est du délire! Écoute, je viens te chercher. Ne t'en fais pas. Je vais te sortir de là. Je t'en prie, sors-moi d'ici, Lara. C'est promis. C'est promis, Sam. Hey, à la fin de la radio. Sam non. Sam non. Allez, lâchez-la, bande de salauds. Ne la touchez pas. Pas moyen de contourner. Je dois traverser. Il y a peut-être des provisions à bord. Et merde! Désolée.
Ross, tu m'entends? Ross? Lara, tu vas bien? Je vais bien. C'est pas l'impression que j'ai. Je vais bien, Ross. Où es-tu, Lara? Je suis dans une espèce de bidonville, près du palais fortifié. Je suis toujours sur la colline. Comment tu as fait pour descendre aussi vite? C'est une longue histoire. Oui, je vois le bidonville d'ici. Tu es près du grand portail? Je me dirige vers lui. C'est la fille! Oh, merde! Là! Tirez, tirez!